Salut tout le monde, ici Defroy et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour réaliser le bâtiment que vous avez devant vous, qui est un bâtiment du 17-18e siècle. Et on va tout de suite faire le tour de ce bâtiment, histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Alors l'architecture en elle-même n'est pas très difficile, hein, il s'agit d'un espèce de rectangle hein, au sol. Le pattern au sol est un gros rectangle finalement. C'est surtout au niveau du nombre de détails à mettre sur la façade du bâtiment qui pose problème avec comment bien aménager les fenêtres, etc., qui est plus difficile. Et la façade, évidemment, qui est elle-même plus difficile que tout le reste. Sur ce, si vous voulez voir le tutoriel pour réaliser ce bâtiment, continuez à regarder cette vidéo. Sinon, bah, très bon jeu à vous! Pour commencer la construction de ce bâtiment, on va en premier lieu faire des repères au sol. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, j'ai délimité les coins du bâtiment. La première chose à savoir pour faire ce bâtiment, c'est qu'il faut mettre les piliers de façade, les piliers qui soutiennent la façade. Je vais vous montrer là-bas. Hop. Ici, là, vous voyez, c'est les quatre piliers ici, comme ça, ouverts hein, complètement. Qui vont soutenir toute la façade et l'entrée du bâtiment. Donc pour ça, il faut les espacer de deux blocs à chaque fois, comme ça, sur un carré de 4 sur 4, et espacer le tout de 5 blocs. Il faut forcément avoir une largeur impaire au niveau de l'entrée pour pouvoir avoir un bloc central qui va nous permettre de faire la flèche ici, comme ça, au-dessus du bâtiment. Et pareil pour la largeur du bâtiment, il faut avoir un nombre impair. Ici, j'ai mis un nombre impair de 15 blocs de largeur pour le bâtiment et de 22 blocs entre ce bloc-là et ce bloc-là. Vous voyez, donc vous commencez par les repères des poteaux, hop, en mettant ici comme ça. Donc je vais pas prendre cette sandstone là, je vais prendre la sandstone lisse, hop. Hop, hop, vous faites comme ça, vous espacez de 5, vous mettez vos piliers comme ça, et à partir de ce pilier-là, hein, les piliers qu'il y a sur les côtés, vous les prolongez de 22 blocs à partir de ce bloc-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et pourquoi il faut 22 blocs? Bien, tout simplement parce que j'avais voulu à la base mettre 4 fenêtres. 4 fenêtres de 4 blocs de large, comme vous le voyez ici, et toutes les fenêtres espacées de 1 bloc de briques. Et pour obtenir ceci, eh bien il faut faire donc 4 x 4 plus 1, 2, 3, 4, 5 bandes de briques. Donc 16 plus 5, non 16 plus ah oui, plus le poteau ici, donc évidemment ça fait 22. D'accord, donc voilà, plus le poteau sur le côté là, ça fait 22, ça fait 21 plus 1. Donc voilà, 22 c'est pour avoir 4 fenêtres, mais vous pouvez prolonger le bâtiment ou le raccourcir comme vous voulez en fonction de ça. C'est en fonction du nombre de fenêtres qu'on calcule la longueur du bâtiment, hein. On ne fait pas le bâtiment et après les fenêtres dessus, parce que sinon on risque de se planter. Et c'est pour ça que j'ai fait un bâtiment de 22 blocs de large de côté, hein. Les deux côtés sont exactement identiques. Et donc je ne vais pas faire tous les côtés du bâtiment sur toute la longueur. Je vais juste faire la façade et un côté pour pouvoir aller plus vite dans la vidéo. Alors, j'ai donc fait la barre ici de 15 blocs de large. Et on va directement faire la structure du bâtiment lui-même. On va prendre le coin ici et on va le monter de 3 blocs, de 4 blocs ici comme ça, faire un petit repère sur le côté, pour pouvoir en fait avoir la place de mettre les fenêtres en dessous. Hop, on rajoute 1, 2, hop, 3 blocs ici comme ça, histoire d'avoir un espace de 2 blocs. Et on met à partir du dessus là le deuxième étage qui va être à 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire un petit repère ici aussi, hop, et de mettre 2 blocs à ce niveau-là, parce que là ça va être le plancher pour le deuxième étage, hein. Et celui-là en dessus, ça va être juste un repère pour pouvoir mettre plus de détails au niveau du bas des fenêtres.
voyez? Donc, on va prolonger aussi les piliers, hop, de la façade. Et on va les faire coïncider avec, hop, le mur ici. Hop, là, je vais finir le côté. Normalement, je suis à la bonne hauteur. Alors, va y avoir souvent tout un jeu de deux blocs d'épaisseur au niveau de la structure ici comme ça, au niveau du toit, au niveau de la largeur du mur, histoire de mettre le maximum de détails finalement. Donc là, je plonge toute la ligne, ici comme ça. Donc ici, à partir de là, on a bien 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir de là, hein, et à partir du deuxième étage ici, c'est 10 blocs. Ok. Pour ce qui est de la façade, on va prolonger les piliers ici sur les côtés de l'entrée finalement. Hop, on va les faire prolonger un peu comme ça. Et on va en fait prolonger cette barre ici là comme ça. Hop, à ce niveau-là comme ça. On va reprendre ça ici, mais entre l'entrée principale en fait finalement. Au niveau de l'entrée principale, on va surélever le tout. Hop, de un bloc comme ça. Vous voyez? Hop, ici donc. On continue à boucher. On met tout à ce niveau-là. Et on peut combler les trous. Hop, comme ça. En suivant la poutre ici, en fait. Vous voyez? Vous suivez la fin du premier étage finalement. Et vous prolongez ici tout le long du premier étage. Maintenant, on va utiliser, on va pas encore utiliser tout de suite les autres blocs de sandstone, les escaliers et les demi-blocs pour pouvoir ajouter des détails. On va pas utiliser ça tout de suite. On va finir d'abord la structure. Alors, au niveau du milieu là, du moins du côté du bâtiment, on va prendre le milieu tout simplement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16, c'est le milieu ça. Ouais, donc on va faire un espace de 3 de large et on va faire prolonger les piliers tout jusqu'au deuxième étage. Hop, et on va faire prolonger les piliers ici comme ça. Alors, je vais prolonger ce pilier là aussi histoire d'avoir un pan complet de mur. Hop, je bouche à ce niveau-là aussi. Donc là, on va avoir notre porte d'entrée finalement, mais elle va être légèrement surélevée par le côté en fait du bâtiment, et on obtiendra donc une entrée couverte finalement pour le bâtiment. Mais au niveau de la façade, on va tout de suite prolonger en fait les piliers, hop, tout jusqu'au même niveau que le deuxième étage à ce niveau-là. Hop. Alors, non, ce pilier-là, il n'y a pas besoin. Enfin, si. Je vais le garder pour l'instant. Hop. Là, je fais prolonger là aussi les piliers. Qui sont vraiment dans le prolongement des piliers de base. Hein. Si vous avez un décalage, c'est pas bon. Hop. Hop. Et hop. Donc, à ce niveau-là, on comble le tout. Hein, avec une espèce de poutre comme pour le. Comme pour le premier étage, ça change pas. Alors évidemment à ce niveau-là, vous faites prolonger le mur, hein, exactement de la même façon que ce que j'ai fait ici. Là je le refais pas plusieurs fois parce que c'est les besoins de la vidéo, mais c'est vraiment exactement la même chose surtout le long du bâtiment. Donc alors on va commencer à positionner les fenêtres. Et pour ça, on va utiliser une sandstone qui est un petit peu différente de la sandstone lissée. On va utiliser la sandstone de base. Et on va utiliser, hop, on va laisser un écart entre le pilier ici et la première barre de sandstone, histoire de faire le repérage des fenêtres. On va faire des prolongements comme ça. Hop, hop, comme ça sur tout le long du bâtiment. Alors au niveau du deuxième étage, on le fera plus tard. Au niveau du premier étage, on va utiliser au niveau du premier cran, parce qu'en fait le plafond du premier étage va se situer à ce niveau-là, hein, vous voyez. Et donc vous allez avoir deux étages de fenêtres pour un seul étage au niveau de l'intérieur du bâtiment.
Et on va utiliser pour les premières fenêtres qu'il y a au niveau du dessous ici, des premières fenêtres au plus bas finalement, on va utiliser un cadre comme ça de sandstone. Et au niveau de la deuxième étage de fenêtre, on va juste utiliser les deux piliers de sandstone comme ça. Et on va hop, utiliser des sandstone par-dessus en fait ces piliers-là, histoire de faire ressortir les fenêtres hein, du reste du bâtiment. Hop, on espace de un bloc les fenêtres entre elles. Hop, donc de deux blocs pour l'espace des fenêtres à l'intérieur et de un bloc. Et vous voyez que ça tombe pile poil avec la largeur du bâtiment puisque ça a été calculé pour ça, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Hop, donc ici on prolonge les fenêtres tout simplement. Et on hop, prolonge ici les fenêtres vers l'extérieur. Hop. Ici aussi. Hop, hop. Et on va utiliser les escaliers de sandstone. Hop, ici comme ça sur les coins des fenêtres, histoire de d'adoucir finalement les fenêtres. D'adoucir l'aspect hein, des fenêtres et on a ce genre de choses au début. Donc maintenant on va utiliser les blocs de briques et on va combler les trous entre les fenêtres et les trous qui sont de 1 de large normalement, hein, pas de 2, histoire d'avoir vraiment quelque chose de cohérent sur l'ensemble du mur. Hop, hop, hop. Voilà, donc là on a quelque chose qui commence à se dessiner, sauf que vous remarquez qu'on n'a pas de surélèvement comme ça au niveau du deuxième étage de fenêtre, mais ça c'est parce que c'est le toit, l'espèce de toit de la fenêtre ici comme ça va être confondu avec des détails qu'on va mettre sur cette couche de deux blocs en fait ici du mur. Et on va quand même en fait mettre des blocs de sandstone ici comme ça juste au-dessus au niveau du truc. Mais ils vont être comblés par des détails hein, justement comme je vous le disais. Et on ne va pas mettre d'escalier sur les coins en fait. Ça va être ça la grosse différence avec les escaliers, enfin du moins les fenêtres du bas. Au niveau des fenêtres. Au niveau du deuxième étage vont être beaucoup plus grandes hein, comme vous pouvez le voir sur le modèle et donc on va utiliser des repères. Premièrement on va toujours décaler de un bloc par rapport au pilier, ça change pas, mais on va aussi décaler de un bloc par rapport au toit du truc, hop comme ça. Donc on va faire un cadre comme ça pour le début et on va combler de deux blocs le trou du dessus comme ça, histoire d'avoir toute une large zone pour pouvoir faire des détails et pour pouvoir faire un espèce de chapeau ou de toit spécialement à la fenêtre. Et on va prolonger ça sur toutes les fenêtres, hein, sur tous les prolongements de fenêtres, hop, sur tout le long du mur et sur tous les murs du bâtiment, hein, histoire que ça soit cohérent. Hop. Là, j'arrive plus à poser mes blocs correctement. Ah là là. Voilà. Donc, on a ça comme ça. Tout le reste va être comblé de briques, mais qui vont à chaque fois avoir qu'une seule bande hein, de briques. C'était ça l'idée à la base. Et on va tout de suite les combler, hein, finalement. Combler ces trous de briques, histoire de plus avoir de trous dans notre mur, mis à part les fenêtres qu'on. Enfin les vitres des fenêtres qu'on rajoutera hop d'ici pas longtemps. Ok. Et ok. Voilà. Donc maintenant on va commencer à poser les comment ça s'appelle? Les détails du mur pour pouvoir finir les fenêtres et poser les fenêtres, etc. Donc en premier lieu, on va utiliser les vitres, hop, les glass pan et les iron bars. On va utiliser les vitres, hop, comme ça, puisque vous voyez qu'au niveau des fenêtres, on a deux blocs d'épaisseur. Et comme souvent sur les bâtiments de cette époque-là, on voit qu'il y a des grilles sur
les fenêtres, ou du moins des fenêtres des bas étages. Donc on va utiliser le deuxième bloc de la fenêtre pour pouvoir poser des grilles devant, histoire que bah, finalement ça fasse plus réaliste par rapport au bâtiment réel. Hop. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre si vous voulez pas, si ça gâche des ressources ou si ça gêne la vue, ben évidemment vous faites comme bon vous semble. Moi j'essaye d'être au plus réaliste puisque j'ai pris ce bâtiment-là d'un modèle réel, hein, de bâtiment qui existe réellement. Hop, donc là je vais faire ça à ce niveau-là. Les vitres, du moins les fenêtres du deuxième étage, n'auront pas de double épaisseur de mur comme ça, mais elles vont avoir un petit chapiteau au-dessus de leur bah de leur toit finalement, de leur tête. Et on va utiliser les escaliers de sandstone, hop, ici, et on va juste hop poser des escaliers comme ça, juste au-dessus, et on va placer un petit chapiteau encore au-dessus. On va prendre la sandstone de base classique et on va en fait les poser un bloc qui va rogner sur les blocs de briques ici comme ça, et un autre ici comme ça qui colle juste à l'escalier, aux escaliers plutôt, d'autres de la même façon à ce niveau-là, deux blocs encore au-dessus. Maintenant on en a fini avec les blocs et on va utiliser les demi-blocs de sandstone. Alors j'aime beaucoup la sandstone parce que c'est vrai que ça reprend vachement le ton des couleurs des bâtiments, des couleurs des murs en réalité. Et on va poser la sandstone déjà au-dessus, les demi-blocs au-dessus des escaliers et sur les coins ici comme ça, histoire d'avoir un affinage finalement du petit chapiteau qu'on a au-dessus de la fenêtre. Et ça nous donne aussi un contraste de profondeur. Ici, là, vous avez un bloc de profondeur, alors que ici, avec les escaliers, vous n'en avez qu'un demi-bloc de profondeur de mur, hein. Et donc, du coup, voilà, ça donne des contrastes, ça donne aussi des jeux d'ombre et de lumière. Vous voyez que ici, le bas de l'escalier est éclairé, alors que au-dessus, c'est sombre. Donc voilà, ça fait des jeux de lumière, ça fait des contrastes de lumière, et c'est assez sympathique. On prolonge ça sur tous les autres pans de mur. Et on aura notre petit chapiteau de fenêtre. Et on va combler le tout par des vitres au niveau de l'intérieur des machins ici comme ça. Alors, il y aura aussi des trucs à mettre au niveau du bas des fenêtres pour pouvoir donner encore plus de détails, hein, finalement. Et c'est avec ces mêmes détails qu'on va combler le dessus des fenêtres d'en dessous finalement, et regardez ce que ça donne directement sur le modèle, hein, que j'ai pré-réalisé. Ça va être un liseré de demi-bloc ici là qui va se confondre avec le haut des blocs de la fenêtre d'en dessous, et ça va faire aussi un moitié balcon avec les escaliers qu'on va poser par-dessus ici comme ça. Alors je vais le faire avec vous. Vous prenez comme repère la deuxième moitié du bloc qu'il y a au niveau de votre deuxième fenêtre ici comme ça. Vous comblez tout, hop, comme ça, sur toute la longueur du mur, hop, et vous utilisez les escaliers à l'envers sur toute la longueur. Et on va juste utiliser en fait les escaliers à l'endroit pour certains pour certaines comment certains endroits qui sont en fait le prolongement des briques ici comme ça. On va mettre des escaliers à l'endroit histoire de donner du contraste au mur. Voilà. Donc maintenant on en a fini avec ce mur-là, on aura aussi fini donc avec cette vidéo pour pas qu'elle ne dure trop longtemps. J'espère que pour l'instant ça vous a donné quelques idées pour commencer ce bâtiment. Sur ce, je vous reprendrai très vite, hein, pour ce tutoriel. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous et à la prochaine.